Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que la vérité ou encore qu'est-ce que le lâcher-prise. Dans une précédente vidéo, je vous disais que nous interprétons notre propre histoire selon nos jugements personnels. Oui, parce que dans une même situation, en fait, chacun va avoir sa vérité. Et dans une même situation, Paul a sa vérité, Manu a sa vérité, Fred a sa vérité et Émilie a sa vérité. Mais qui détient la vérité? Vous savez, vous? En fait, si nous commençons par nous dire que notre histoire, elle n'est pas la vérité, ben, nous savons désormais qu'on n'est pas obligé de la croire. Alors, au lieu de croire, nous pouvons aussi apprendre à voir. Oui, on voit ce que l'on veut voir, on ne voit pas ce que l'on ne veut pas voir. Mais la vérité, en tout cas, elle rend libre. Il faut juste commencer par la voir. Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, disait « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Il avait peut-être raison. Parce que les choses que nous croyons, nous les déformons immédiatement en fonction de nos connaissances. Et quand on lâche notre attachement à la connaissance pour aller au-delà des symboles, au-delà du langage, ben là, nous avons appris à voir. Bon, il faut quand même sortir de sa zone de confort pour vivre le lâcher-prise. Parce que pour vivre le lâcher-prise, il faut simplement le courage de lâcher-prise de ce que l'on n'est pas, de notre passé, de se détacher de notre propre histoire, parce que notre histoire, elle n'est pas nous. Et après tout, l'histoire, c'est une fable où tout le monde est d'accord, hein, vous êtes d'accord? Mais est-ce la vérité? C'est comme je sais que je ne sais rien. En fait, sitôt que nous cessons de croire à tous ces mensonges qu'on s'est racontés jusqu'ici, on réalise quand même que c'est beaucoup plus facile à vivre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et la faire partager. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo chaque semaine. Si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite !